Les dirigeants de l'Union européenne ont signé un accord avec la Turquie dimanche dernier à Bruxelles, fournissant ainsi au pays une aide financière en échange de sa participation pour stopper le flux de migrants demandeurs d'asile. On écoute tout de suite Angela Merkel. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour le sommet Union européenne-Turquie. Il s'agit d'une réunion importante pendant laquelle nous avons approuvé le plan d'action commun Union européenne-Turquie. Ce plan d'action commun clarifiera dans un premier temps notre étroite collaboration avec la Turquie dans de nombreux domaines, par exemple au sujet de la guerre civile en Syrie, sur la lutte contre le groupe État islamique, mais aussi sur l'immigration illégale. Un des éléments cruciaux du plan d'action commun entre l'Union européenne et la Turquie sera de trouver des moyens efficaces pour remplacer l'immigration illégale par une immigration légale, mais aussi de trouver les moyens pour améliorer la situation des réfugiés présents en nombre sur le terrain turc. En effet, la Turquie accueille plus de 2 millions de réfugiés, alors que le pays n'a reçu qu'une aide internationale très limitée. Le pays attend donc que l'Union européenne et les États membres apportent un soutien supplémentaire pour permettre d'accomplir cette tâche. Lors de la réunion, les dirigeants européens ont prévu d'offrir à la Turquie une aide de 3 milliards d'euros. Des visas de voyage pour l'Union européenne et la relance des pourparlers pour une adhésion. En échange, Ankara doit renforcer la sécurité de ses frontières et reprend sur son territoire les migrants n'ayant pas obtenu le droit d'asile en Europe. L'aide financière de l'Union européenne permettra à la Turquie de construire davantage de centres d'accueil des réfugiés. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu a déclaré que le sommet avec les dirigeants européens était un nouveau départ dans le processus d'adhésion du pays à l'Union, qui compte déjà 28 États membres.